Bonjour. Je te souhaite la bienvenue si c'est la première fois que tu es en train de suivre ma chaîne, La Nature. Je suis Patrick Mpatim et avant de pouvoir te parler du thème d'aujourd'hui, je voudrais partager avec toi une astuce véritablement importante pour avoir une très bonne santé et de éloigner de soi différentes sortes de maladies. Et pour cela, il vous suffirait simplement de prendre tous les matins à jeun une tasse d'eau tiède, en plus de l'ail. Vous prenez 2 à 3 ail que vous hachez et que vous prenez comme des comprimés et vous prenez ce verre d'eau tiède là dessus. Faites-le tous les matins pour vous sentir en pleine forme tous les jours et cela toutes les semaines, tous les mois et même des années sans parler de maladie. Aujourd'hui, je voudrais parler avec toi d'une maladie dont beaucoup de personnes en souffrent. Il s'agit bien évidemment de l'ulcère. Et sans plus tarder, laissons place à la première recette. Première recette de ce jour, vous aurez besoin d'un seul ingrédient. Il s'agit de la racine de moringa. Vous prenez cette racine, que vous lavez correctement, c'est-à-dire vous la désinfectez. Ensuite, vous la découpez en petits morceaux. Et vous la mettez sur le feu pour la porter à ébullition. Une fois que cela est prêt, vous la consommez 3 fois par jour jusqu'à satisfaction. Et je tiens à vous rappeler qu'au bout de 2 mois, vous aurez une santé véritablement parfaite. Comme deuxième recette, je vais vous proposer l'utilisation des écorces du Vitellari paradossa. Encore appelé karité, vous aurez besoin de son écorce que vous préparez et que vous buvez. Pour les enfants de plus de 5 ans, un demi-verre matin, midi et soir. Et pour les personnes adultes, vous aurez besoin de prendre un verre complet matin, midi et soir jusqu'à satisfaction. Comme troisième recette aussi simple à pratiquer, vous aurez besoin du fruit de la papaye non mûre. Vous la lavez, vous enlevez les pépins et vous la découpez en petits morceaux pour lui donner, disons, une forme de carreau de sucre. Ensuite, vous les déposez dans un seau avec un couvercle et vous y mettez de l'eau à une certaine quantité donnée que vous pourrez boire sur 3 à 4 jours, par exemple. Ensuite, vous laissez cette eau reposer sur ces fruits de papaye découpés pendant 3 jours. Donc, à partir du 4e jour, que vous commencez par la consommer à raison d'un verre le matin à jeun et d'un second verre le soir. Eh bien, cette 4e recette que je voudrais partager avec vous fait partie des recettes phares que m'ont légué en quelque sorte mon grand-père, père à son âme. Pour ce faire, vous aurez besoin de la coquille de gros escargot et du kaolin, encore appelé roué en langue fond. Comment l'utiliser? Vous allez calciner cette coquille d'escargot afin de la rendre totalement poudre. Une fois que vous obtenez cette poudre, vous la mélangez avec le kaolin. Vous mélangez les deux mélangez ces deux ingrédients pour pouvoir obtenir une poudre homogène. Une fois que vous avez obtenu cette poudre, vous allez vous procurer du miel bio, véritablement naturel, pas du miel brûlé. Ensuite, vous prenez une quantité raisonnable de cette poudre mélangée auquel vous ajoutez du miel bio que vous mélangez le tout pour obtenir un produit véritablement homogène sans que la poudre ne soit à part, le miel aussi à part. Une fois que cette recette est prête, vous n'aurez qu'à prendre une cuillerée à café le matin, une cuillerée à café le soir. Si vous êtes au début de cette crise du sel, dans le cas contraire, si cela vous l'avez depuis un moment, alors prenez une cuillerée à soupe matin à jeun et le soir en allant vous coucher. C'est une recette qui marche, qui a fait beaucoup ses preuves et aujourd'hui je vous la livre gratuitement. Et un petit rappel pour toute personne qui suit ma chaîne et qui dont je partage différentes recettes, dont vous avez des difficultés à pouvoir les réaliser.
vous pouvez m'écrire, me laisser soit votre mail dans un commentaire afin que je puisse entrer en contact avec vous et voir de quelle manière est-ce que je pourrais vous apporter mon aide. Et n'oubliez surtout pas de faire des propositions de thèmes dont vous aimeriez avoir des recettes pour vous sentir beaucoup mieux. Et bien, me voici à la fin de la présentation de cette recette, des différentes recettes liées au thème sur les ulcères. La vidéo t'a plu, je t'invite à l'aimer, à la partager pour en faire bénéficier un grand nombre et à ne pas oublier de t'abonner et d'activer la cloche de notification afin d'être partie des premières personnes à pouvoir voir les prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Je vous remercie, c'était Patrick Moupatine dans la nature. Bye.